Nous voilà au Cosmopolitan avec Guillaume Darcourt qu'on retrouve avec son pied. J'en ai deux. Mais il y en a un qui est pas au top. Coucou Pierrot. Voilà. Ouais, notre journaliste préféré qui est arrivé ce matin. Non, hier soir et tard, fatigué aussi. Infirmier aujourd'hui, puisque nous sommes allés récupérer Guillaume à l'hôpital. Alors ça commence pas terrible. T'es arrivé, tout de suite t'as ton pied qui a triplé de volume, tu nous as fait une belle tendinite. Comment ça se passe? La tendinite, c'est cool. Je suis habillé pour l'hiver. Bon, t'as pas de tendinite du poignet, donc tout va bien. Tu peux encore manier les cartes. Oui, les jetons aussi. Les jetons aussi. Bon, t'as joué le 5000 aujourd'hui. C'est pareil, il y en a qui le disent. Tu nous as raconté, ça s'est pas super bien passé, mais on t'a plutôt bien joué et t'es tombé sur une table de gamblers. Non, deux gamblers sur la table, deux gamblers sur six, dont un qui avait battu tous les jetons, parce que avec des mains, il jouait tout à fond, et il a réussi à sortir, un des deux meilleurs joueurs de la table avec tapis pré-flop, il a payé avec As-10, 7-8. Il va faire deux paires pour craquer les as de côté. Voilà, mais c'est bon. C'était un peu bizarre et voilà, et pareil, moi j'ai sauté en deux mains d'affilée, deux fois brûlant flopé, contre tirage couleur, il y a deux fois qui sont couleur. On va te retrouver demain parce que maintenant t'es équipé, hein. Je veux dire que là, ça y est, t'es équipé, t'as du plomb dans l'aile. Et du coup, vous allez en trouver des jeux de mots. Rien à voir. Ça va charrier. Du coup, demain, t'attaques le 2005 à midi avec Rebecca, Philippe et Jean-Phi. Oui. Donc ça va bien se passer, on espère. Et puis on commence pas. Ça va bien se passer. Mais elle comprend tout. Bon, on espère, hein. Non, ça va bien se passer, ça fait tellement longtemps que ça se passe. Non, mais on sait que les WSOP, c'est quand même pas mal aussi, beaucoup de chance au départ, parce que vous n'avez pas tellement de jetons, puisqu'on va rappeler à nos spectateurs que c'est uniquement 3 fois la mise, c'est-à-dire sur des buy-ins à 1000, on touche 3000 jetons, quoi, par exemple. Donc demain, 2005, vous aurez 7500 jetons de départ. Ouais. Putain, je suis bonne en maths. Magnifique. Bon. Eh bien, sur ce, voilà, on vous donne un peu l'ambiance du Cosmopolitan. Pierre vient ici. Je suis pas Pierre, je suis la serveuse. À demain. Et la serveuse a une très jolie robe, on ne la voit pas bien. On se retrouve demain et on vous embrasse tous fort. Et bienvenue à Vegas. Et bonne nuit à vous, hein, parce que vous êtes en train de dormir.